L'enjeu sur De Vialet Mania, ça a été de créer une enceinte De Vialet sur un nouveau marché. On avait des produits précédemment et il a fallu en fait redéfinir ces concepts-là pour créer une enceinte portable avec le son De Vialet, le design De Vialet qui sont des marqueurs forts pour la marque. Mais tout ça dans une enceinte qui est à la fois nomade, qui est sans fil, qui est sur batterie, et ça c'était un vrai défi en soi. Pour les utilisateurs, ce qui prime, c'est l'usage. L'enceinte doit être portable, étanche, facilement connectable, avec une durée de batterie suffisante. Et ça, c'est le plus important. Les clients s'attendent à avoir un niveau sonore élevé. C'est pour eux un marqueur de qualité, de robustesse. Pour nous, ce qui est important, c'est que le niveau sonore soit élevé, mais avec une qualité sonore qui soit en adéquation avec les critères de Vialet. C'est à partir de tous ces critères qu'en 2019, on a pu définir un cahier des charges pour l'enceinte de Vialet Mania et commencer à développer le produit. On a deux woofers pour les basses fréquences qui sont positionnés de manière très classique chez De Vialet en position push-push, ce qui permet d'éviter d'avoir des vibrations et générer des bruits parasites à fort niveau. C'est pour la partie plus haute en fréquence où on a là plus d'innovation avec quatre full range qui sont placés de façon légèrement inclinée sur le dessus du produit et qui permettent, à l'aide des traitements de signaux appliqués, d'avoir cette diffusion à 360 degrés et des effets stéréo. C'est l'architecture acoustique particulière et les traitements de signaux, toutes ces technologies De Vialet, qui permettent à l'enceinte De Vialet Mania d'avoir un son homogène à 360 degrés et des qualités acoustiques jusqu'à très haute fréquence. Dans un système stéréo classique, on a deux enceintes fixes et un auditeur qui est placé au milieu de ces deux enceintes, c'est ce qu'on appelle le sweet spot. Pour De Vialet Mania, le système est complètement différent, l'enceinte peut être déplacée dans la pièce et l'auditeur peut se déplacer autour de l'enceinte. On n'a donc pas ce phénomène de sweet spot et c'est ça qu'il a fallu relever comme challenge. Pour résoudre ces problématiques d'environnement, on a développé une technologie qu'on appelle ASC, pour Active Stereo Calibration. C'est un algorithme basé sur l'intelligence artificielle qui permet au produit de détecter son environnement et les obstacles autour de lui. Par exemple, si on place l'enceinte à côté d'un mur, on va être capable de détecter ce mur, détecter la distance à ce mur, et adapter le rendu sonore de l'enceinte en fonction de son environnement. C'est grâce au savoir-faire et aux technologies qu'on a été capable chez De Vialet de concevoir et de réaliser cette enceinte portable. Une enceinte qui allie à la fois les qualités sonores d'un produit De Vialet et un usage nomade transportable.